Salam alaikum, bon juma, bon juma à tout le monde. Salut, Tanti. Désiré, bonjour. Bon juma à tout le monde. Ok, Junior. J'ai compris. Baldezo, grammatical, docteur, Paul Nyamé. Avec la tentation, Marina. Sanga Bete, Mohamed Touré, Inch'Allah. Bonjour Nina. Bonjour à tout le monde. Vous allez être surpris aujourd'hui. Moi, Amiral Blindé, je suis comme ça. L'hypocrisie, là, je suis pas dedans. Comme lui, il est venu parler devant tout le monde, moi aussi, je vais venir le répondre devant tout le monde, en public. C'est comme ça on dit, non, en bon français, en public. Ce direct-là, comme vous le savez habituellement, moi, je fais toujours vidéo. Je vais dire, je vais parler un peu de tout. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à dessin animé. Je vais répondre à dessin animé, mais je vais pas le faire cadeau. Donc, connectez-vous et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mon vieux papa, mon Abou Diagité, Kofi, Abdoul. N'oubliez pas, allez-y vous abonner à ma page. Parce que hier, là, vous n'avez pas vu trop de publications, hein. Ah, ils avaient bras. Comme moi-même, j'ai un peu de ça là. Donc, j'ai travaillé en bas jusqu'à. Voilà pourquoi hier, j'ai pu faire le direct. Et c'est bizarre, quand j'ai fait le direct, c'est passé. Ils n'ont pas supprimé. Donc, connectez-vous.
Marina, merci beaucoup. Amina Yarabi. Connectez-vous. On va se dire la vérité. Je vais vous faire écouter la vidéo de dessin animé qui soutient les dozos gendarmes, miliciens de Dramane Ouattara. Et je vais lui dire pourquoi je suis pas d'accord avec lui. Tu as qu'à dire. Zanga Bété, nous on parle pas français même. Toi, tu as venu écrire en anglais là. Ou bien c'est en Moré, tu as écrit. Moi, je parle pas Moré. Bonjour. Ezanin. Connectez-vous. Allez, connectez. On va gâter quelques petits boy rodiens là. Le bon. Bonjour Blené, comment ça va bien? Ok Nina. Et quand les gens se jouent les imbéciles là, faut venir. C'est comme ça on dit vraie amitié là. Ceux qui se disent la vérité, c'est eux là qu'on appelle vrais amis. Amitié comme Dramane et Bédié, Dramane et Kibafouri là. Là, c'est pas amitié. Tu dis quelque chose en face et derrière, tu dis autre chose. Non, ça marche pas comme ça. Partagez la vidéo, là. Attendez, je vais mettre un son. Je vais mettre un bon son pour vous enjailler. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, là, ça va gâter cœur des moutons. Et puis, je vais parler aussi de mesures de prévention en Côte d'Ivoire. Mesures de sécurité. On va parler de ça parce que moi, je ne peux pas comprendre. Ça vient dans la vidéo. Je vais commencer par une question ici. Il y a quelqu'un qui dit que tu es d'accord avec les jeunes qui sortent là, tu es d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux. Normalement, si c'est un pays qui, si le président même il respecte son serment qu'il a pris devant les Ivoiriens, moi je suis pas d'accord. C'est par mesure de sécurité qu'on leur dit de ne pas sortir. Et il y a quel danger la nuit de 21h de coronavirus? Il y a quel danger de 21h à 5h du matin? Le vrai danger là, c'est dans la journée. Ici, tu ne verras jamais quelqu'un te dit non, les policiers m'ont contrôlé hier nuit. Parce que toi-même déjà là, à 20h déjà, tu es confiné chez toi, tu ne sors pas. Même si les gens t'appellent, ouais, viens, voilà, on va faire ça. Non, tu n'as pas sorti. C'est la journée là qui est dangereuse. Mais Ouattara, au lieu de faire de 9h à 18h, mais c'est la nuit. Il y a plein de personnes qui sont chez eux à la maison. À partir de 21h, là, il y a plein de personnes qui sont chez eux à la maison. C'est rare que tu vas trouver quelqu'un au dehors. Maintenant, j'ai fait un poste tout à l'heure. En coronavirus, et les enfants du gouvernement, les enfants en conflit avec la loi, dites-moi ici, entre les deux là, qui est dangereux? Parce que on a vu les enfants en conflit avec la loi, qui étaient protégés, qui sont protégés par Dominique Ouattara et leur grand frère c'est Ahmed Bakayoko, parce que la plupart, la majorité
Il y a des enfants en conflit avec la loi là. Ils habitent à Bobo. Alors, on va pas parler comme c'était dans le passé. Ils sont encore là. C'est parce que maintenant, ils ont été bien formés. Ils sont devenus vrais, vrais sanguinaires là. Eux-mêmes, ils ont arrêté un peu de tuer les gens. Dites-moi, quelle mesure de sécurité, au moins les microbes tués là, quelle mesure de sécurité le gouvernement a annoncé à la télé? À l'époque, on pouvait pas mettre aussi des couvre-feux à Bobo dans les quartiers où ce microbe-là, ils étaient? Hein? Hassan Ouattara, c'est un Djamaïe. Quand il dit Djamaïe là, quelqu'un qui est un full face. C'est-à-dire quand il est en face de la foule comme ça, là, il devient autre chose. Sinon, les microbes ont fait, hein? Jusqu'à présent, ils continuent. Moi, il y a des policiers qui m'ont dit, quand ils faisaient vidéo là, et ils rentraient en inbox. Blené, tu tues aujourd'hui ou bien tu tapes un microbe là. Non, ton boulot là, c'est gâté. Mais Vagono, le chef milicien, il vient encourager. Vagono, il faut respecter les Ivoiriens. Même si tu n'as pas respect pour toi-même là, tu dois avoir respect pour nous. Parce que c'est lui qui t'a nommé là où tu es là. C'est nous qui l'avons voté. Où il est là, c'est nous. On l'a déposé là-bas. Et puis toi, tu as été nommé. Alors, il faut nous respecter. Et puis ton discours là serait retenu contre toi. Demain, quand le pouvoir va changer, on dit mesure de sécurité. J'ai été sur la page d'Alassane Ouattara, il a publié. Il dit les gens n'ont qu'à rester à un mètre d'écart. Faut pas ils vont s'approcher. Mais quand tu vois des policiers qui vont faire embrasser des garçons qui n'ont qu'à se bouffer la bouche. Mais où est mesure de prévention là? Où est mesure de sécurité là? Et puis on les met côte à côte, ils n'ont qu'à pomper. Et puis j'ai pris Dieu même là, les gens qui ils arrêtent en train de les gifler même là, en train de les attraper tel pour que l'autre il n'a qu'à gifler là. Quand on met dedans là, coronavirus qui est dans lui là, ça n'a qu'à jaillir sur eux. Et puis vous là, vous allez contaminer tous les camps militaires où vous êtes là, gendarmerie là, parce que vous êtes des sauvages. Il n'y a pas de mesure de sécurité. Parce que ceux que vous frappez là, si eux ils ont corona là, je vais vous faire écouter une vidéo ici. Comment le corona se propage là. Je vais vous faire écouter. Il y a une vieille mère qui m'a envoyé ça. On va prendre le temps, on va écouter. Mais ma lame recommandée, Naroman, quand on dit mesure de sécurité là, vous pensez que vous là, Draman Kadalou et trop quoi, vous mettez en danger. Voilà, on va écouter la vidéo là. Derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître bien le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux. Masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés, et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positifs. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes, et ils découvrent ainsi après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000, 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine? Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Okay. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Voilà. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Écoutez bien. Chaque personne contaminée peut infecter 2 à 3 individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel.
personnel nécessaire pour administrer ces soins. Pour le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés, ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers, devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir. Dernier détail, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente, brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux. C'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes. C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Voilà. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'un... Restez chez vous. Maintenant là, non, non, c'est pas nos soldats. Maintenant, nos miliciens, les dozos là, quand eux ils vont... Pour faire respecter règles imposées par Dramane Ouattara, eux, ils vont chercher les gens. Eux-mêmes, là, je sais qu'ils ont déjà fait baiser des gens même ensemble. Mais ils n'ont pas montré. Ils ont déjà fait beaucoup de gens ensemble. Parce que déjà, s'ils ont le courage, si Vagono a le courage, Vagono qui a dit, à lui que Ouattara a remis de l'argent pour aller faire coup d'état au Burkina, là, si lui-même, il vient s'arrêter devant les gens pour dire... Un Ivoirien là, quand il parle français là, quand Ivoirien parle français, même si tu es, je ne sais pas où, tu connais son accent déjà. Accent Ivoirien en français là, on connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui parle comme nous. Mais comme il est dans un groupe de mensonges, en anglais, donc il est obligé de mentir. Oh pourtant, ce même Vagono là, qui a donné l'ordre à ces miliciens là de filmer les gens. Sinon ici, quand on voit... Les policiers qui sont en train de maltraiter quelqu'un, ils sont toujours filmés par un passant, pas eux-mêmes. Même si on dit des gens, ils n'ont pas suivi de formation, ils sont venus comme ça, ils ont été recrutés comme c'est les anciens rebelles, ils ont été mis dans la CRS ou bien je sais pas quoi. Ils vont jamais accepter de se... En fait, c'est un autre... Vagono les a demandé de faire ça là et puis les filmer pour envoyer sur les réseaux. Là comme là, quand les autres ils vont voir ça là, eux ils vont rester tranquilles. Tu vois, vous faites pomper des gens qui sont à moins d'un mètre. Et puis vous là, votre camp là, je suis sûr dans les camps de CRS, tous ceux qui ont commencé à frapper les gens en dehors là. Tous ceux qui ont commencé à frapper les gens en dehors là. Aller maltraiter les gens, même devant chez eux, aller les attraper dans leur lieu de travail. Le gars, il est assis dans son kiosque. Il n'est pas au dehors. Il lui dit, sors! Mais vous avez dit de rester à la maison. Abidjan, c'est à la maison. Si le gars, il est assis dedans, peut-être qu'il dort là-bas. Vous avez demandé au gars de sortir. Vous l'avez chicoté jusqu'à il a fait pipi dans son pantalon. Père de famille. Enfant des gens. Et quand je vois mon frère dessin animé qui fait vidéo pour soutenir ces gens d'imbécilité là, parce que c'est qui n'est pas dans la loi, et la personne qui est censée appliquer la loi introduit ça dedans, on appelle ça ces gens d'imbécilité. Parce que il est hors la loi. Vagono, le coup d'étatiste là, pour tu manquer au Burkina là, Vagono est hors la loi. Mon vieux, moi, j'ai pas peur de quelqu'un. Je respecte les gens. Je respecte quand tu respectes. Quand tu ne respectes pas, là, on va te dire. Tu crois que nous sommes des idiots? Tu sors, tu viens t'arrêter devant les gens. Que les vidéos que vous voyez sur les réseaux, là, c'est pas Abidjan. C'est où? C'est pas Abidjan, là, c'est où? C'est pas Abidjan là-haut, c'est où?
Faites attention, hein. Vagono. Ça, là. C'est-à-dire, on t'a, eh, faites tout. On sait qu'aujourd'hui, là, vous êtes dans un chemin aujourd'hui où il n'y a pas de retour. Mais où vous avancez, là, on va vous attraper là-bas. Comment tu peux ordonner à des gens? Ici, là, quand la police, quand ils font des trucs comme ça à la con, là, et eux, là, c'est-à-dire, ça passe à la justice, hein. Mais toi, tu viens nous dire que c'est pas des Ivoiriens. Donc, quand c'est pas bon, quand vous allez nous tuer, là, en 2020, là, quand vous allez tuer, là, vous allez dire non, c'est pas vous, que c'est pas en Côte d'Ivoire. Hein? On va aller écouter la vidéo de dessin animé imbécile, là. Je vais sortir sa vidéo, là. Non. On va écouter d'abord. À 20h, bon, viens ici. À 20h, bon, c'est bon. Moi, je dis, même à cause de cette histoire. Plus, not, sans plus. Tu dis quoi? Je crois que j'avais enregistré la vidéo. On dirait pas. Alors, je voudrais en profiter pour faire une mise au point. C'est Vagono qui parle là. Des vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux qui mettent en scène des forces de sécurité. Je veux être très clair. Toutes ces vidéos n'ont pas été tournées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une excuse. Mais des instructions fermes ont été données à toute la hiérarchie des forces. C'est-à-dire, il dit toutes ces vidéos, si je comprends bien ce qu'il a dit là, il dit toutes ces vidéos n'ont pas été filmées en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il reconnaît, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi, je comprends mal. Alors, je voudrais en profiter pour faire une mise au point. Beaucoup de vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux qui mettent en scène des forces de sécurité. Je veux être très clair. Toutes ces vidéos n'ont pas été tournées en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a pas une excuse. C'est qu'il y a d'autres qui ont été tournés en Côte d'Ivoire. Attendez, on va écouter ça là. Parce que nous, on a publié que les vidéos qui ont été tournées en Côte d'Ivoire. On n'est pas allé chercher vidéo parce que déjà quand un Burkinabé parle là, quand les Burkinabés frappent les gars là-bas là, on vous demande quelles mesures de sécurité vous avez. Parce que vous avez dit, quand Draman a parlé de mesures de sécurité et puis il a parlé de 95 milliards 880 millions, peut-être qu'il a acheté, je sais pas quoi, des matraques pour traquer les Ivoiriens, les maltraiter, les microbes là. Et ils ont fait leur temps jusqu'à aujourd'hui là, ils sont là. Il n'y a pas de mesures de sécurité. Pourtant, les microbes là tuaient. Ces mêmes microbes là. Il y a microbes de coronavirus et il y a microbes fabriqués par Alassane Ouattara même, lui et sa femme. On va écouter ça là parce que quand tu es dans un groupe de menteurs, il est très difficile de parler vérité. Je vois des moutons, des cons qui disent non, ils ont été dans les autres pays, on frappe. Dans les autres pays, on frappe. Mais eux là, quand ils frappent là, ils mettent pas les gens ensemble. Ils disent pas aux gens de s'embrasser. Quand eux ils frappent là, eux ils les poussent même jusqu'à eux ils rentrent à la maison. On va écouter. Parle, viens ici. À 20h, bon, c'est bon. Moi, je dis, même à 20h, que personne ne sort à cause de cette histoire. Est-ce que nous tous, de Corona, c'est vous, notre on a regardé à la vidéo. On sort plus. Ah. On sort plus. Merci. Toi, tu dis quoi? Je ne sors plus encore. Parle quelque chose. On sort plus. À quelle heure? Que personne ne sort. Bien sûr. Parce que le président Farid ne sort plus encore. Vrai. Oui. Après, nous, on dit, dans le jeu. À 20h, voilà. À 20h, il ne peut plus sortir. Vagono, ils ont dit à 21h. Ceux-là, ceux qui parlent là, c'est pas en Mouré, ils parlent. Même aujourd'hui, ils vont envoyer des vidéos encore. Les policiers là, les forces de l'ordre là, une fois ils ont l'ordre, aller rafler les gens là, ils font des bêtises là-bas. Mais moi, ma question aujourd'hui là,
pourquoi tu autorises? Pour quelle raison? Tu dis ils n'ont qu'à filmer les gens et puis ils vont publier. Parce que de la manière ils sont violents là. Quelqu'un d'autre ne peut pas quitter quelque part, venir les filmer. C'est eux-mêmes qui filment. Et puis ils ont leur page Facebook, ils publient dessus. C'est ça ma question. Pourquoi tu autorises tes miliciens là à filmer et publier sur Facebook, à forcer les gens, tu l'as autorisé aussi, à forcer deux hommes à s'embrasser, c'est-à-dire ils n'ont qu'à se manger la bouche devant les gens, et tu as forcé, parce que j'ai les vidéos mais je n'ai pas montré, parce que ça ne me plaît pas, tu as forcé aussi à tes miliciens là, à demander aux Ivoiriens de faire l'amour avec le sol. On a vu ça. J'ai la vidéo ici. Tu as ordonné aussi à tes miliciens, tes dozos là, tes imbéciles là, qui font ça là, à frapper des femmes au dehors. Devant tout le monde. Vous êtes tous des lâches. À commencer par dessin animé. Dessin animé, tu es ici. Vous êtes tous des lâches. Tous ceux qui défendent ce système là, vous êtes des lâches. Vous êtes des imbéciles. Je vous dis ça. Vous êtes des lâches. Pourquoi autoriser humiliation, c'est-à-dire à filmer l'humiliation de quelqu'un? Vous êtes là. Est-ce que c'est pour sauver? Vous n'êtes pas là pour sauver. Vous n'êtes pas venu là pour les sauver. Il est où l'importance de couvre-feu de 21h à 5h du matin? L'importance là, ça est où? Vos bateaux bus là, privés là, que Ahmed Bakayoko et Bitogo en là. Ça roule, non? Et ça fait client en journée. C'est dans les transports en commun là, dans les bagas là, qu'il peut avoir coronavirus dedans. C'est dans les transports en commun là, dans les marchés là. Bon, vous, ça dit, montrez-nous l'appareil que vous avez donné aux Ivoiriens. À part Guillaume Soro, qui a envoyé des gels, il paraît que vous avez bloqué ça même au port là-bas. Dites-nous, quelle mesure de sécurité, à part matraque et téléphone, que les miliciens là, ils n'ont qu'à filmer et puis mettre ça sur les réseaux. Dites-nous. On voit quoi? Ouattara a parlé de 95 millions et 95 milliards, 880 millions de francs CFA pour ces mesures de sécurité là. Abemi. Il a fait son discours là. Ça fait 5 jours aujourd'hui. Abemi. Vous giflez des gens. Vous demandez aux gens, vous-même là, vous les collez même. Ça, c'est une chair là, dans vos camps là. Au nom de Dieu, coronavirus. Je joue aujourd'hui devant Dieu. Je joue sur le grand jour aujourd'hui. C'est-à-dire le vendredi d'aujourd'hui là. Coronavirus va rentrer dans les camps militaires là. Camp CRS, partout. Parce que c'est vous-même là qui allez faire rentrer ça là-bas. Donc, tous ceux que vous avez frappés sur côté là, parmi eux là, au moins il y a un qui a déjà ça. Et puis ça va vous tuer à bas peuple. Vous tous. Et Vagono, n'oublie pas hein, où tu travailles là-bas. Là. Il paraît qu'il y a Corona là-bas aussi. Il y a Corona là-bas. Donc toi là, ça va te prendre aussi. Tes gens que tu vas... Parce qu'ils ont dit, hein, la vidéo que j'ai montrée là, ils ont dit dedans. Donc dessin animé, je suis content que tu sois là. Je vais te dire quelque chose. Quand c'est bon là, c'est bon. Je sais que tu es militaire, hein. Tu es mon frère, tu es mon ami, et puis tu es militaire. Tu peux soutenir les militaires, mais pas les miliciens. Pas les miliciens, parce que toi tu confonds le temps de Gbagbo Laurent et le temps de Dramane. C'est pas la même chose. Le temps de Gbagbo Laurent là, le gars qui a coigné le milicien là, hein, son taxi là, si c'était au temps de Gbagbo là, non, depuis il est mort. Pourquoi depuis il est mort? Parce que il allait traiter d'assaillant, de rebelle. Parce que nous étions en guerre à l'époque. Est-ce que tu comprends? Donc au jour d'aujourd'hui là, tirer sur quelqu'un, c'est pas ça, ça dit, c'est pas possible. Un militaire ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça dans le vide. Il peut pas. Ils sont miliciens. Mais ils ont réfléchi. Si on tire sur lui, c'est pas bon. Regardez bien. Quand ils attrapent les gens là,
il est chicote. Sur les fesses, là. C'est là-bas, les gars chicotent. Maintenant, là, eux-mêmes, ils disent aux gens de gifler les gens. Après, eux-mêmes, ils viennent. Tu dis quoi? Tu vas sortir encore? Quand les gars parlent comme ça, la corona, là, ça saute, saute partout comme ça. Donc, ça les prend. Donc, je sais que dans les camps de CRS, là, dans les camps de la police, tous ceux qui ont fait, ah, comment, ils ont expliqué dans la vidéo, là, coronavirus, là, tu peux avoir ça. Mais pour nous, là, il n'y a pas de mesures de prévention même déjà en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que vous avez ça. Coronavirus, là, vous avez ça à bas là. Et puis, je demande à Dieu. Il n'a qu'à vous donner. Et puis, les derniers, là, même. Et puis, Corona ne prend pas. Et puis après, il te laisse. Hein. Non. Corona, il vient pas comme ça. Il t'embrasse et puis, ça va. Non. Il vient. Il est dans toi-même. Donc, tous ceux qui font ça, là, faites attention. Parce que vos chefs, là, ils vous utilisent. J'ai pas encore vu les gens qui maltraitent les gens là. Ça dit qu'ils sont en masse comme ça là. J'ai pas encore vu. Atei, il y en a pas. Dans le temps de Gbagbo Laurent et le temps d'Alassane Ouattara, le temps de Gbagbo, le comportement du gars là, non, il allait prendre une balle ou bien des balles parce que le pays était attaqué. Là, les loyalistes à l'époque, ils avaient le droit de se défendre. Mais aujourd'hui là, tu peux pas le tirer dessus. Il te sait, tu peux pas tirer sur lui. C'est ça la différence. Donc, quand vous là, à vous votre temps là, les Ivoiriens, ils applaudissaient les forces loyalistes, ils étaient applaudis, c'est vrai. Parce que eux, ils défendaient la nation. Mais aujourd'hui, les miliciens qui sont là, eux, ils sont là pour traumatiser les gens. Tous ces maltraitances-là, ils font ça à cause d'octobre 2020, là. Sinon, ils sont pas là pour protéger les Ivoiriens. Sinon, s'ils étaient là pour protéger les Ivoiriens, ils allaient pas les chicoter. Bon, Koulibaly n'allait pas aller acheter un saut à Nango, venu poser à la primature, avec ses pieds de maître, je sais pas, un savon, un kabakourou. C'est nettoyer les mains devant les gens. Il y a pas de mesure de sécurité. Il y a mesure pour embrouiller les gens et frapper les Ivoiriens. C'est tout. Sinon, les microbes, là, depuis Ouattara a pris le pouvoir, ces gens de comportement, là, que les policiers ont aujourd'hui, là, les miliciens, là, ils ont ça, là, aujourd'hui, là. À mon avis, s'ils avaient fait ça depuis 2011, depuis qu'ils ont tué la fille qui partait passer son examen à Yopougon, là, qui a été assassinée pendant qu'Ahmed Bakayoko était en train de danser avec les Assalfo, là. Si ces mesures-là, s'ils avaient imposé ça, là, on n'allait plus parler des microbes. Mais il y a microbes aujourd'hui à Abidjan. Juste aujourd'hui, là, il y a microbes. Il y a microbes dans le pays. Là. D'ailleurs, le minant climatisé, blabla. Il y a un peu de trouble là. Je vais me rafraîchir un peu. Coronavirus, lui, il n'aime pas ça là. Il n'aime pas quand c'est truc. Il n'aime pas quand c'est trop frais. Voilà. Donc, mesures de sécurité, ça là, on n'a jamais vu. Ils ont tué imam. Les microbes là. Ils ont tué imam. Ils ont tué des gens partout dans Abidjan là, dans Côte d'Ivoire là, ils ont tué. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, on a vu que l'État est sorti pour dire non, on condamne. Non, l'État dit que c'est des enfants en conflit avec la loi. Les enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire, eux là, c'est eux, ils décident de faire ce qu'ils veulent. La loi là, eux, ils ne calculent pas. Mais j'ai déjà dit, c'est ces gens-là qui vont rafler les gens aujourd'hui, demander aux gens de faire l'amour. Parce qu'ils ont été formés à Agboville. Formation militaire. Après, on vient les déposer. Ils vont traumatiser les gens. Quand ils vont grandir, c'est ceux-là de 2010, de 2011, là, aujourd'hui, là, s'ils avaient 15 ans, aujourd'hui, là, ils ont 25 ans. C'est ceux-là. Ils ne sont pas bien nourris. C'est pourquoi ils sont minces comme ça, là.
Tous les CRS que vous voyez là, les mess là, c'est eux là. Il y a les microbes qui ont été recrutés. Vous savez que ils ont, Ouattara a créé une unité au nom de son petit frère. Bon, comment on appelle ça? Son frère là, j'ai oublié son nom. Donc il a créé ça. Donc ceux là, c'est les petits danseurs là qui sont beaucoup dedans. Et puis les microbes là, ils sont pleins dedans. Donc dessin animé, quand tu veux défendre, il faut faire très très attention. Ne défends pas l'indéfendable. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon. Parce que quand tu fais ça là, les gens vont commencer à douter de toi. Parce qu'aujourd'hui là, tu as raison. Tu peux soutenir les militaires de Côte d'Ivoire, les gendarmes de Côte d'Ivoire, mais pas les miliciens. Il y a militaires et puis il y a miliciens. Toi, tu soutiens les miliciens. Tu te trompes de combat. Les petits ambifras là, c'est ceux-là, toi, tu soutiens. Donc, il faut faire à cause de Dieu. Il faut arrêter de parler de ceux-là. On a parlé en inbox. J'étais pas content. Tu m'as insulté. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, hier, sorti avec toi au dehors. Tu as parlé. Mais ta vidéo, là, les gens se sont servis de ça. Pourtant, tu attaquais tout le monde. Toi, tu dis parce que tu es dans l'armée, ça veut dire parce que tu es militaire, que tu soutiens les militaires, les forces, y a les forces de l'ordre. Mais tu t'es trompé. Ceux-là, c'est pas force de l'ordre. Nous, nous, micro pour les boyer. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. Je sors comme ça pour te parler en public. Peut-être que si je fais ça là, tu vas te retenir un peu. Tu vas dire, ah, ce que Bobo Diel a dit là, c'est vrai. Actuellement là, tu soutiens les miliciens de Draman. Ceux-là, ils n'ont pas suivi formation. Toi, dessin animé là, à ton temps là, au moment où tu étais gendarme là, jamais tu vas demander à un homme d'embrasser son ami garçon. Jamais tu vas faire ça. Mais eux, ils l'ont fait. Et puis c'est eux qui ont filmé. C'est eux-mêmes là qui ont filmé la scène. Et puis ils ont publié sur les ordres de Draman et Vagono qui a envoyé les milliards, les millions, les 86 millions de la Côte d'Ivoire au Burkinabé pour se tuer entre eux là-bas. Donc ne défends pas les rebelles. Ils sont au pouvoir, mais ils sont rebelles. Parce que eux-mêmes, là, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Parce que c'est les enfants en conflit avec la loi qui sont devenus aujourd'hui les CRS, là. Des enfants en conflit avec eux-mêmes, là, la loi, là. Mais aujourd'hui, ils ont été recrutés, ils sont dans, comment on dit ça, dans la CRS, la police, la gendarmerie. Et puis, c'est des gens qui ne savent pas lire. Ils sont comme nous, là. Mais moi, je suis mieux qu'eux. Imaginez-vous des gens qui ont été formés par Zakaria Kone, Zakous. C'est quel bon français lui va parler? Parce que quelqu'un qui sait lire et écrire, qui est parti à l'école là, lui il va jamais accepter que ouais, Zakaria soit lui, son formateur, jamais de la vie. Bah, il va parler en quoi? Hein? Donc c'est pas des gens. Hey, comprenez, de la manière il se comporte là, comprenez, ça dit ils viennent d'où? Voilà, sinon ton frère il voit rien là, tu vas pas lui dire, il faut embrasser lui là. S'il y a PD parmi vous là, ne forcez pas les gens à devenir PD comme vous. Ne forcez pas les gens, enfin des gens, vous imaginez, vidéo là est partie. L'imbécile qui a publié là, t'as vu, le petit là, qui était assis en boubou blanc là, lui il est musulman. Je sais pas le condamné qui était en train d'attraper son cou là, embrasser bouche là, André, il est en train de le gonfler là. Je sais pas lui... Il est comment? Parce que nous-mêmes, à l'enfant même au quartier, là, nous, on avait un gars comme ça. Lui, c'est garçon, il aimait. Bon, vous allez tomber sur un gars comme ça, et puis un imam. Vous demandez au gars, là, l'imbécile, là, d'embrasser l'imam. L'imam n'était pas content. Pas, il a bien un boubou blanc. Moi, je considère que, voilà, c'est un bon petit musulman. Vous permettez que ceux-là, que l'imbécile, là, le tep, là, bouffe la bouche de l'imam. Et puis, vous êtes content. Il faut dire que tu l'aimes. Il faut dire que tu l'aimes. C'est honteux. C'est pas Alassane Ouattara qui a dit qu'il est musulman. Qu'il est musulman. Mais pourquoi autoriser que les hommes se bouffent la bouche entre eux?
et puis publier. Ça veut dire que dans l'armée même là, dans vos côtés même là, des miliciens là, il n'y a pas de respect. L'armée c'est le respect. Il n'y a pas de respect. Vous déconnez. Donc des animés, tu peux soutenir le jour que la population va sortir pour demander le respect des lois en Côte d'Ivoire, les militaires, les gendarmes, toutes ces forces-là qui vont sortir pour se mettre aux côtés de la nation, tu peux faire vidéo pour les soutenir. Ça là, ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas été condamnés. Quelqu'un qui force son garçon à baiser garçon. Ah, c'est quel genre de pouvoir ça? C'est quel genre de pouvoir ça? Vous cherchez quoi? Salut Michou. Voilà, je me souviens de donner la faut. Bonjour à tout le monde. Hein? Des gens qui forcent des garçons, ils n'ont qu'à se mougou. Ils l'ont déjà fait. Parce que si on a vu où le gars il demande à embrasser, où il demande aux gens de s'embrasser, et après, on va trouver dans une autre vidéo où il dit faut faire l'amour au sol. Le gars est en train de baiser la terre, mais c'est que quelque part là, ils ont fait déjà coucher des hommes ensemble. Et puis eux-mêmes là, ils ont violé des femmes. Parce que c'est des gars, ils ne gagnent pas, ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas d'argent, et ils ne peuvent pas avoir go. Et puis il n'y a pas de racket dans le pays là, comme de la manière ça se passait avant. Parce que les raquettes qu'ils font aujourd'hui là, tout est numéroté. Quand ils raquettent là, c'est le chef qui prend et puis ça monte jusqu'à chez Alassane Ouattara là-bas. Voilà pourquoi Carton Noir est en prison aujourd'hui. C'est parce qu'il a filmé des policiers qui étaient en train de racketter les gens. Donc là, tu m'as ouvert dans moi. En tout cas, dessin, j'ai pas été trop dur avec toi. Bah, j'étais venu, il y a un gros sucre. J'ai pas été trop dur avec toi parce que je me dis qu'actuellement là, tu te dis, ah c'est vrai, ce qu'Amiral dit là est vrai. Ce qu'Amiral Blendé dit là, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas les militaires qui ont été formés. C'est pas des gendarmes qui ont été forcés. Et puis tous ceux qui viennent sur ma page m'insulter, dire ouais, ton tour arrive, on va t'agresser là. Le jour là, il va y avoir beaucoup de morts. Hein. Ah ouais, je vous dis ça. Il va y avoir beaucoup de morts. Voilà. C'est vrai, ceux qui m'aiment là, ils peuvent avoir peur. Ils peuvent avoir peur pour moi, non, pour dire non, il faut faire attention. C'est vrai, vous avez raison. Moi-même là, parfois j'ai peur. Mais le jour, ils vont essayer là. Ce jour là, il va y avoir mort. Parce que je ne vais pas agresser quelqu'un. Mais celui qui vient, hein. Ah, mon frère, il faut être fort. Et puis il faut être prêt. Fort et puis prêt. Tu vas venir là comme ça, tu vas faire ton truc. Et puis ne tirez pas de loin. Approchez-vous de moi. On va parler. Et maintenant, si vous voulez, là, on prend gant. C'est-à-dire one by one. Et puis on va voir il y a quoi dans qui. Vous pensez que vous venez ici là. Vous faites des menaces là. Vous pensez, c'est parce que j'ai pas le temps à vous considérer, à répondre à vos bêtises. Menace là. Ça est dans tout le monde. Menace là. De la manière vous là. Vous êtes assis à la maison et puis moi je suis assis dans ma voiture là. Moi je ne fais que critiquer là. Et ça vous fait mal là. Dans vos têtes là. Ah lui la scie la trappe là. Il a fait comme ça là. Il y en a aussi dans moi. C'est parce que je ne suis pas sauvage comme vous. Sinon, sauvagerie que vous venez sur ma page là pour afficher là. Moi aussi là. J'ai mon côté sauvage aussi. Et puis je suis prêt sur tous les plans. Je suis prêt sur tous les plans. Donc arrêtez de dire non, hein, quand on va t'attraper. Vous pensez que moi je suis PD? Ils vont venir comme ça, ils vont me frapper. Et puis hier fuit. Comme c'est interdit d'insulter maman des gens. Sinon j'allais insulter vos mamans ici là. Comme ça, ça allait vous faire mal. Ça allait vous pousser à me retrouver. Mais j'ai un truc pour vous. Ça là, je mets dans, ça veut dire dans derrière de vos papas là. Je mets ça là dans les derrière. Parce que faire menace là, c'est facile. Hein. Ah, si je t'attrape, tu vas voir. Si je t'attrape, ça fait des morts. Ouais, c'est pas faux.
Ça a fait des morts. À moins qu'on me surprend. Et puis il dort, oui. Sinon, si c'est live là, je ne vois pas. Il ne faut pas des muscles. Hein. Il faut avoir plus que ça. Moi là, je vois ton sang ces jours-là. Je ne dis pas boire. Hein. Je vais voir ton sang là. Je vois ça. C'est pas on. Je vois ton sang. Je vois ton sang couler. Vous pensez que quoi? Trop facile. Il y a des enfants, des gens, vous voulez. Ainsi, hein, t'attrape. Tout le monde est nous aussi. Mais moi, là, quand je commence là, voilà pourquoi j'évite. Quand je commence là, je suis né à Divo. Les gens me connaissent. D'autres me connaissent à Divo. Je n'ai pas dit que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Je n'ai pas dit que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, non. Les nous aussi de Divo là. Il y en a plein là-bas là. Ils savent. Je n'étais pas voyou. Je n'ai jamais été en prison. Mais Palabla, là, c'était mon manger. Partout où il y avait la paix là, j'ai mélangé là-bas. Non, vous pensez que vous allez frapper Amiral comme ça, parti tranquillement? Mais c'est un gado Fafro là au Luna. Mettre dans son terrier, dans le cul de son papa là. Défoncez ça. Eh, ne jouez pas avec moi. Hein. Je vous dis, je vous donne les topos. Tu viens là, faut m'endormir en même temps, tu vas partir. Sinon, tu vas me taper. Moi, tu vas me taper dessus comme ça. Et puis tu vas t'arrêter. Ah non, ouais, gagna fort là, ma quoi. Je vais tout en. Même mes enfants, je vais les abandonner ces jours-là. Peut-être que je ne vois pas ton sang, et puis te voir affaibli par terre là. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Bah, vous venez comme ça. Bah, quand je vois des gens qui viennent sur ma page là, toi là, on te fait ça. De la manière que tu penses que tu es bandit, tu es dur là. Il y a plus dur que toi. Et puis plus près que toi encore. Les enfants de chiens là. Des idiots. Moi là, je suis garçon. Votre Mossi Draman là, il fait pas vidéo pour me cacher. Je me mets en live. C'est ça la différence entre nous. Mais vous qui êtes au pouvoir, vous avez tous les miliciens du pays. 95% de ceux qui vont venir commenter ma page là, 95% ou bien 99%, tout est avatar. Pourtant, vous êtes au pouvoir. Là aussi, il faut être garçon pour assumer tes faits. Je suis un homme. Pendant que vous considérez comme Draman Ouattara comme Dieu, moi je le considère comme un voleur. C'est ça aussi. Il faut être garçon pour l'assumer. Et puis je vais vous dire, les injures que je reçois là, sur ma page ou en inbox là, j'ai plus de bénédictions. Je reçois plus de bénédictions que vos trucs de cul là. Ça ne peut pas me faire reculer. Ça ne peut pas me faire reculer. Maintenant là, moi là, le jour le gars là a dit, comment on appelle ça, Hervé Guigui a dit qu'il donnait 72 heures à Alassane Ouattara là. Mais le jour je l'ai vu là. Mais moi je croise plein parmi vous. Je vous connais même pas, mais quand je vois, je sens dans vos regards, mais personne ne m'approche. Je sais pas pourquoi. Mais moi, quand j'ai vu Hervé Guigui là, tellement il était propre à la scène Ouattara là, j'ai foncé sur lui. Je faisais la sécurité à l'époque aussi. J'ai foncé sur lui et je l'ai arrêté. Il lui a posé question. Et il lui a dit, on n'a qu'à aller au stade, on va aller Niara. Comme on ne peut pas Niara au dehors. Vous là, vous pouvez pas faire ça aussi. Vous ne pouvez pas faire ça aussi. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça aussi? Des enculés comme ça là. Un président voleur. J'ai dit ça pour qu'Abadimi. Alassane, c'est un voleur. Un criminel. Assassin Alassane Ouattara. Qui a gâté la Côte d'Ivoire. Le plus mauvais président là, c'est lui. Ça vous fait mal, non? Prouvez-moi où je suis. D'autres parmi vous là, ils connaissent où je vis. Vous pouvez me trouver. Même s'il ne sort pas, moi-même là, je n'ai pas sorti pour chercher Palabre. En la paille, je ne suis pas con. Je ne sors pas pour chercher Palabre. Mais je fais mes déplacements. Je suis venu en France pour travailler. Je suis chez moi à la maison. Il y a quelqu'un parmi vous, d'autres même ici là, il y a plein de gens qui travaillent ici. Ils sont tous médecins. Il y en a plein qui savent où je dors. Draman, criminel, voleur. Draman, bandit. Draman, le mythomane, voleur. C'est ça qui vous fait mal. Hein?
C'est vous les maudits. Bah, quelqu'un ne peut pas voler ton papa et puis tu vas l'applaudir que non, il est puissant. C'est que toi, tu es maudit. Ouattara vole la nation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a changé? Ouais, tu es maudit, tu es rentré, tu es sorti ici. Draman est mon papa. Draman est Gben. Moi, je suis Koyaga. Mon père est Koyaga. Mon père est Koyaga. Moi, je suis Koyaga. Je ne suis pas Gben. Je ne suis pas Ouattara. Moi, c'est Karamoko. Vieux fouleur, là. Avant, là, je faisais vidéo, non? Ils étaient en train de dire, ouais! Bien que quand il fait vidéo, il est juste à la zone Ouattara. Maintenant là, je le fais. Voleur criminel, il est. Comme ça là. Ça vous fait mal. Et vous allez me chercher. Et vous allez me trouver. Des trous du cul comme ça là. Nyamro Dengou. Les maudits là. C'est vous. C'est pas nous. Qui défendait la nation aujourd'hui là, c'est pas nous. Les maudits là, c'est vous. C'est vous qui soutenez un pouvoir qui vole aujourd'hui, qui prive les Ivoiriens de tout là. C'est vous les maudits. C'est vous, c'est pas nous. Fafron nous. Les enfants de couloir là, Nyamro Dengou. Vous voyez, non, quand je décide d'être violent là, je suis plus grave que vous. Vieux Mossi là, Gben là, vieux qui a mis embargo sur médicaments, parce qu'avec crise, lui il voulait devenir président. Il a mis embargo. Pourquoi? Il fait ça pourquoi? C'est un Gben, vieux là, c'est un Gben. Ouattara qui a plein, il a plein de défauts comme ça. Quelqu'un qui fuit le nom qu'ils l'ont donné là, Draman Ouattara. Il dit non, Draman là n'est plus dedans. Ouattara est grave, hein? Ouattara, il est grave. Nyamro Deha est là, le bambran. Moi ça me fait pas mal, hein? Vos injures là, ça me passe dessus comme ça, choué. Dumiazou, on va l'amra sur Madame Nacho. Nataroumanou, des condats comme ça là. Et puis c'est les danseurs là qui viennent insulter les gens ici là. Ateta Dougounou là. Dougouta Broa. Moi je suis président. Moi je suis Tokroba. Yibé Koubari. Lafi Koubara. Moi je suis. Ben, allez, on va faire un gros fien. On va Ben Yombano. Non, à quand il y a quoi là dans des manières, arrêtez ça. Hein. Ceux qui font les nan qui me l'amène niketa. Na kamle, avec la mika amena yeke. Fafro nunu. Bakina gboha ila lu. Kafri nunu. Ça y a yibe kubare, quand tu es parlé de lunettes là, on vient on te dit ouais, tu es maudit. Moi Draman, il n'est pas mon papa, hein. Mon papa là, il a déjà fait photo avec Draman. Attendez, je vais voir. Je vais voir si je peux trouver la photo. Je vais vous montrer. Pour vous dire que ouais, Draman, là, il n'est pas mon papa là. Je vais vous dire ça. Quand Draman cherchait à être président là, mon père à son âme, il était imam. Draman allait le voir. Draman est parti le voir. Dieu merci, je suis tombé sur la page à la personne. Regardez, Draman est mon papa. Donc moi là, je ne suis pas maudit. Oh, c'est quoi ça là? Regardez Draman est mon père. Vous voyez? Regardez mon père ici là. Là. Ouais, c'est ça, voilà. Regardez mon père. Vous voyez? Il va le venir. Mais il était plus que 21h à Abidjan. Lui, il était au dehors. Il a même fait vidéo. Il a montré à tout le monde que lui, c'est un chef. Et André, vous pouvez faire café, tu vois. Il n'est pas mieux que mon papa, parce que moi, mon papa n'a jamais tué quelqu'un. Voilà, mon père là, il n'a jamais tué. Il est mieux sur le côté vol et crime là, oui, il est mieux que mon papa. Sinon, mon papa là, il est 10 000. Hey, on ne peut même pas les comparer même. On ne peut pas les comparer.
Il y a un ministre qui a promis une maison à mon papa. Mon père a refusé. Mais Draman là, lui, il dit aux gens, non, attaquer la Côte d'Ivoire si je deviens président là. Putain, il sait qu'attaquer la Côte d'Ivoire là, ça va faire des morts. Si je deviens président là, vous allez voir, vous allez être bien. Ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc Draman ne peut pas se comparer à mon papa. Nyamrotin Fafro, tu es mieux que ton papa. Bakinagbo Haïla, il faut dire ça encore. Moshi Draman. Non, je dis là, j'ai cartonné. Bon, putain, nous voilà. Allah, Duma, ou redama. Nina, merci beaucoup. Allah, Duma, chère. Akanasra, fouille. Personne ne peut mourir avant son heure. Personne. Et puis, personne ne va te tuer avant ton heure. Ce que tu as écrit là, c'est ce que tu vas vivre. Donc, à quand est-ce que je vais vous dire que je vais vous dire. Eh ben, comme ça là. On sait, c'est vous qui êtes violent aujourd'hui. Parce que vous savez que si le vieux Borodian est parti là, vous allez. Bon, c'est ce qui vous fait croire que le jour, lui il serait plus là, c'est mort pour vous. La Côte d'Ivoire n'a jamais été comme ça. Afin de dire, lui là, il vient pas d'ici là, c'est Ouattara qui a commencé en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui a commencé en Côte d'Ivoire. Afin de dire que. Ça c'est qui ça là? Tu me vois pas en direct là? Il faut arrêter de m'appeler, hein, je n'aime pas ça. Je suis en direct. Voilà, il faut arrêter de Mais il vient pas d'ici là, c'est Ouattara qui a commencé en Côte d'Ivoire. Allô?